Ouais, c'est fiché en 3, 2, 1. Voilà. Ça galère. Ah, la musique, elle est coupée ou pas? Non, elle est pas coupée. J'ai dit mes pauses, voilà. Hop, on remet le volume à 73. On y retourne, du coup, Barony. Cette fois-ci dans une nouvelle run, parce que... C'est pas ce que je voulais faire. Dans une nouvelle run, parce que bah, je suis un abruti, j'ai supprimé ma sauvegarde. Alors j'en ai une autre. Mais vu que c'est pas la sauvegarde de comment? De la dernière fois, je le dégage. C'est une petite sauvegarde en attendant. Parce que j'aime bien me refaire des personnages de temps à autre. Utilise l'ancien personnage. Je vais juste lui modifier. Passoire! Exactement, mon cher Daré. Comment vas-tu? Je vais prendre lequel? Hardred, voilà. Qu'il a la bonne stache là, comme ça. Dans le menton. Let's go. Ça, c'est un vrai sorcier. Comment vas-tu, Daré? Je vais aller moucher dans quelques instants parce que là ça commence à me gratouiller. Ça va bien, ça va bien. Je recommence une run donc ça va moyennement bien, mais ça va bien. Faut que je fasse ça quand je suis sur Barony. Voilà. Je vais moucher. On coupe là. Et le micro. Faudra peut-être que je finisse ma phrase avant de couper le micro. Ce serait bien. J'ai quand même des sacrés stats de merde. Ah, j'ai pas remis mon retour du coup depuis hier. Pouloulou! Pouloulou! Allô, allô? Pourquoi j'ai pas le retour? Ah oui. Voilà. C'est bon, c'est bon. J'ai plus mon casque branché du coup. C'est normal. Alors. Du coup, on prépare la Fireball, même si en vrai, je pense que je vais garder Light, histoire de préparer bien sûr le début de cette salle. Incroyable, le plaisir. Du commentaire ici, attention. Alors déjà, on prend ça. Ok, le rein, on lui a atomisé sa gueule, bien sûr. Un plaisir. Nice. Bien sûr, on prend tout ce qu'on peut prendre. Parce que bah, c'est Barony, hein. Il faut qu'on apprenne. Qu'on apprenne les trucs. Bien sûr, il faut qu'on apprenne, hein. C'est pour la blague, de l'humour, tout ça. Un plaisir. J'espère que tu vas bien, YouTube. Hop. On va voir s'il y avait quelque chose au bout. Ok. Par contre, toi, ma vieille. Décale-toi un peu. Oh bah on va lui fireball la gueule hein. Voilà. Y a pas beaucoup de lumière dans cet étage, ça va être compliqué. Ouh. Allez, une succube. Dommage. Ça aurait été un peu drôle. Ouh, par contre, je récupère pas mal de livres. Voilà, on se met bien, on se met bien, on fait déjà pas mal de choses. On dégage ça, ça, on va l'équiper. J'ai plus de mana, j'ai plus de mana, j'ai plus de mana, j'ai plus de mana. Ah, c'est bon. Peut-être un peu utiliser ma mana pour rien, c'est pas faux. Deux, un, voilà. On est passé niveau 3, ok. Ok. Il n'y a rien ici. Oui, j'ai peur d'un rat parce que ça fait quand même beaucoup de dégâts pour rien.
Aïe. Mais dans un coin, c'est peut-être pas une meilleure strat. C'est pas ma meilleure des strats, bien sûr. On va faire ça. Blindness, ça pourrait être sympathique. Le bouquin, on s'en sert pas, on le dégage. Là, on s'en sert pas non plus. Non, ça fait quoi du coup, ça, vu qu'il est blessed? Ça fait rien du tout. Je suis un peu triste. Bon, en regardant sur la carte, j'ai pas été ici. Ok. J'entends les bruits de pas à gauche. Ouh, par contre. Alors, c'est des bottes qui sont décrépites, mais. Au pire. Je galère en apprentissage, hein. Je suis que niveau 3 après. Y a rien ici. Ok. Ok, ça c'est une gemme. Faut que j'ouvre le levier pour activer une salle avec un coffre normalement. Voilà. Oh yes, une bronze. Une machette, non. Une masse en bronze. La traduction qui se fait pas automatiquement, bien sûr, c'est normal. Bon, bah j'ai quasiment tout exploré. Dégage ça. Ça. En vrai. Yes. En vrai, la potion, je vais la garder quand même. Le shield, je le garde parce que c'est quand même bien un shield. Histoire d'encaisser un peu. Même si au final, celui-là il est bien mieux. Celui-là, on le dégage. Celui-là, on le dégage aussi. La gemme, on la dégage. Donc, je me prends pas un boule d'or. Le reste, on s'en fout. Par contre, il apprend pas les bouquins. C'est un peu chiant parce que je suis sorcier en fait. J'ai besoin d'apprendre des nouveaux sorts. Genre un sort de soin, ça serait quali quand même. Okay. Oh, le miroir, par contre, il va être cool. Bon, la flotte, on s'en bat les couilles. Hein. Le miroir. Ah oui, yes. Look just as ugly as ever. Yes. On adore. Voilà. Et en fait, plus j'apprends des choses, et en fait, plus je serai capable d'apprendre plus vite des choses et des choses beaucoup plus compliquées. Qui amène à beaucoup de choses intéressantes, mine de rien. Bon, en vrai, la sortie, elle est par là-bas, donc je peux y aller. J'ai quasiment tout exploré. On a juste le Magic Staff là à décoder, qui serait quand même sympathique en vrai. Je pense que c'est un opening ou un locking, bien sûr. C'est un opening. C'est une de mes bouteilles. Yes. Alors. Ok. Avec rêve. Alors, je vais utiliser le reste du bâton, du coup. Le fromage, je le prends pas parce qu'il est automatiquement moisi. Alors c'est du fromage, je sais que ça devrait être pas trop catastrophique, mais... Ça l'est quand même un peu. Locking. Coucou, vous, coucou Fritzy, comment vas-tu? J'espère que ta journée s'est bien passée. Peut-être pas dû ouvrir cette porte maintenant. Ok. Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Run pas trop dégueulasse pour l'instant. Merde. Un peu long, je viens d'entrer chez moi. Ah, tu m'étonnes. Mais comment ça s'est bien passé ton mardi en tout cas? J'espère que ça a été, même si c'était long. Ah bah j'ai le message aujourd'hui. Bah voilà, bah merci pour le resub. Le truc qui se met pas à jour automatiquement quoi, c'est incroyable. Yes. Le book de light. Pas les couilles. Ah la bouffe on la met là. On va mettre ça là. Voilà, comme ça on décale bien comme il faut.
Le resub de 12 mois quand même. C'est fou, hein. Ah! Ça, ça l'a encore plus. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, je suis con. Oui, c'est normal. Alors, faut que je trouve un maximum de choses ici. Pour me setup ce qui va se passer après, parce que ça va être un enfer. Donc là, c'est possible... Alors, normalement, je devrais pas mourir pour l'instant. Mais l'étage suivant, si. Tu fais quoi, une sorte de speedrun? Non, pas du tout. Je fais une run habituelle. De Barony, du coup, qui est un Isaac en 3D, si je devais expliquer très rapidement. C'est en gros un dungeon crawler, du coup. Je pense que t'as déjà vu peut-être des extraits ou autres quand j'en avais fait, que ce soit avec quelqu'un ou tout seul. Mais c'est du coup, là, je fais juste une petite... Ah oui, ça, c'est le charisme. Je fais juste une run, là, comme ça, pour essayer de finir, potentiellement. Ce serait bien. Je dégage les casques. Ça aussi, ça aussi. Ça... Je vais la garder quand même. La pomme. Un anneau de warning, donc ça va me prévenir quand il y a des conneries. Je me souviens, j'étais sur le live avec quelqu'un. Ah bah voilà, donc tu visualises bien la chose. La cape, elle a 0, donc on s'en bat les couilles. Et le fromage, je le mange. Voilà. Ça, ça me gratte le nez, c'est horrible. Bah du coup, ok, il y a eu des morts ici, on s'en bat les couilles, je pense. Du coup, je vais vite parce que j'essaie de m'habituer aussi. Parce qu'il y a un truc dans ce jeu qui est assez incroyable, c'est que tu peux te retrouver face à un Minotaure, donc un mob qui fait littéralement la taille de la salle, et qui peut te casser la gueule. J'ai failli mourir là. Qui peut te casser la gueule en quelques coups si tu restes trop longtemps dans la pièce en fait. Alors, toi tu vends c'est de la bouffe principalement. Ouais, pas forcément besoin. Honnêtement. Eh bien, ouais, j'ai chaud là, on va pas se mentir. Ah, ouh, potion de soin, ça c'est cool. Speedrun forcé. Ouais, en quelque sorte, voilà. Mais là c'est gérable du coup parce que j'ai pas activé le Minotaure sur ma partie parce que je suis pas encore assez entraîné pour. Mais ça n'empêche que je fais quand même attention. Quoi ça? Et ça là? Ok. J'ai peur du boulder qui était déjà tombé, c'est parfait. Mais du coup, les boulders, les cailloux qui peuvent te tomber sur la gueule, sont tellement la pire chose en début de game parce que ça peut te faire rapidement recommencer une partie sans raison. Parce que juste t'as pas fait attention à ça. Hop, hop, hop. Donc faut bien faire attention. On dirait une sorte de mode Minecraft en vrai poussé, mais les modes bien poncés. Ouais, on est d'accord, on est d'accord. Mais c'est les graphismes qui font ça aussi. Et l'ambiance qui est un peu dans cet axe, mais vraiment, c'est tellement différent. Mais en vrai, ça aurait pu être sorti sur Minecraft. C'est ça qui est le pire. Alors, où j'active le levier. J'ai quand même envie de me faire les nains. Parce que si... Alors là, c'est vraiment un gros pari que je fais. Si je réussis... j'obtiens pas mal de bâtons, pas mal d'argent et je suis tranquille pour le reste de la run. Si je foire, bah je recommence une partie. Et si je fais la solution simple, bah ça prendra un peu plus de temps, tout ça. J'ai faim. Et c'est énorme. Non, c'est pas ce que je veux faire. Je vais placer un piège. Je me mets là. Wow! Non mais sérieux. Deux secondes. Vite, vite, apprends ton putain de bâton.
potentiellement dans la merde. Hop. Putain, mais... J'ai deux bâtons en moins, yes, la cape elle dégage. La cape là elle dégage aussi. Aussi. La cape aussi. J'ai encore faim. Ok, j'ai deux bâtons, ça c'est sûr. J'ai un shield. Alors ça peut m'aider contre les gnomes qui justement attaquent au corps à corps. J'ai un shield un peu amélioré là. J'ai deux shields qui sont quand même sympathiques. Squalala, Yulsivas, comment vas-tu? Reste là un peu. Là pour l'instant je farm, on va dire. Ça va bien, ça va bien. C'est tendu, mais ça va. La cape là, on la dégage. Oui, on l'a. J'ai raté. Ok. Oh putain, et c'est un sacré troll lui en plus. Oh non. Ok. On va laisser se battre un peu. Il faut que j'explose absolument. Voilà. Ok. Et merde. Putain. Oh merde. Putain, j'ai paniqué. Allez, dis-moi que ce bâton il vaut le coup. Dis-moi que ce bâton il vaut le coup. Dis-moi que ce bâton il vaut le coup. Je suis en pleine partie sur New World dans la file d'attente. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, c'est normal. C'est normal. Quelle idée aussi. En 10 minutes, j'ai gagné 100 places, il en reste 4100. Ok, le bâton il est cool. Résistance au poison. Je vais garder l'amulette, on sait jamais. Le soin, je suis obligé de l'avoir. Ouais, j'ai bien fait. Les gemmes, on s'en bat les couilles. Comme ça. Déjà, je vais pas utiliser de magie avec lui. La lanterne, elle est bonne. Yes. Plus si. Yes. Allez, dis-moi qu'il est bon. Je suis dans la merde. En fait, je suis pas si dans la merde que ça. Mais en même temps, un peu. Je vais faire.
Mais oui, je vois les ennemis, je suis en train de réaliser. Je viens de voir là sur la mini-carte, je les vois. Là, c'est pratique par contre. Et du coup, largement plus me préparer. Genre là, il y en a un qui est juste là. Que si je chope une bonne cape, ça peut m'avantager. Si j'en chope une mauvaise, je suis dans la merde. Ouais, c'est pas fou. Par contre, je me fais bien plaisir niveau pickaxe. Par contre, dans le reste. Moque t'es un magicien. Pas magicien. Je vais être calmé. Là, ils me font pas beaucoup de dégâts là, ceux-là, mais merci quoi. Je garde une lanterne au cas où. Je garde les pickaxes de sûr. J'ai quand même sacrément faim pour rien là. Je vais même essayer de voir c'est qui. Ça vient, bien sûr moi. Il n'y aurait pas une petite musique d'ambiance. Bah il y en a une en plus, hein. C'est ça le pire. Mais elle est peut-être pas assez forte. Ah non, alors. C'est pas qu'il n'y a pas de musique. C'est qu'il n'y a pas de son de jeu. Ouais, bah ça, j'avais pas. Ouais. Pouloulou. Ouais, j'avais oublié. Bah, on y en fait des casse-couilles. Parce qu'il se met pas, du coup. Voilà. Il se met pas au niveau des sources sonores. Yes, c'est un plaisir. Merci, du coup, Yulsivas. Et ton oreille attentive. Ou c'est un magicien. Dis-moi que son bâton c'est pas de la merde. Dis-moi que son bâton c'est pas de la merde. Dis-moi que son bâton c'est pas de la merde. Je m'en bats les couilles de la gemme. Elle est où la gemme? Strangulation. Essaye. Je sais pas dire, je pensais que c'était volontaire. Ah non, mais faut oser, t'inquiète. Hein. N'hésite pas à oser quand tu penses que quelque chose est véridique. Si tu te plantes, c'est pas grave, au moins t'auras osé. Ok, j'ai la sortie. Donc ça, c'est déjà cool. Ah, un truc. 5, 2, 3, 4... Wouh! Oh putain! Alors en gros, j'ai utilisé un miroir qui me permet de téléporter n'importe où sur la map, de façon aléatoire. Et ça m'a permis justement de voir s'il y avait des ennemis autour, etc. Ouh, j'ai raté. Pourquoi je crame? Pourquoi je crame? Alors...
Je veux pas faire genre, mais j'ai un peu paniqué là d'un coup. Pourquoi j'ai cramé? Alors je me suis mis à poil du coup parce que réflexe hein, de survie. Mais pourquoi? Bon, un peu plus prudent là du coup. Pas des dégâts de zone. Si, mais quand un gnome du coup, il devrait, quand quelqu'un est touché en fait par le sort, il peut pas faire cramer les autres. Enfin, à ma connaissance. Par contre, si c'est ça, j'ai failli crever bêtement. Bon, j'ai déjà crevé bêtement, hein, mais un peu plus. Donc je sais qu'il y a un ennemi comme pas loin du spawn. C'est déjà cool. Mais il fait des dégâts de zone, si, mais je l'ai pas. Enfin, j'ai pas connaissance de l'avoir lancé tout près du gnome. Enfin, après, je sais pas s'il fait des dégâts sur moi. J'avoue que je vais pas retester pour voir, mais. Avoue. Oh, c'est un magicien ou non? Putain, mais. Alors, True Story m'a fait peur. Je pensais pas qu'ils pouvaient eux-mêmes taper la pierre. Là, du coup, je cherche un maximum de gnomes, si on en a encore, et d'or, parce que c'est un peu pour ça que je suis là, en fait. Ok. Yes. De l'argent partout. Oui. Encore. Attends. Encore un another mind sheet bullshit. Encore un autre mind sheet bullshit. Je sais pas comment on peut le traduire ça. Oh no. Fuck no. Oui, parce que vu que le jeu est pas mal comparé à Minecraft, parce que les graphismes. En fait, ils font des blagues sur le jeu, à l'intérieur du jeu, voilà. Voilà, voilà. C'est tout. D'ailleurs, ce jeu va avoir un portage sur Switch à un moment ou un autre. J'ai tellement hâte, parce que j'avoue qu'il jouait en... comment? Rapidos dans le train, une connerie du genre, c'est une bonne idée. Oh, mais c'est assez cool! Il y a un vendeur. Ah, si tu m'achètes. Oh, je vais me faire de la tunasse. Comme c'est pas permis. Alors, je voulais pas lui lancer la pioche dans la gueule. Mais par contre... Ah, ça va être mon matos. Voilà. C'est bien, ça dépop pas. Qu'est-ce que je suis sûr de pas pouvoir vendre là-bas? En fait, je vends pas les armes. Donc ça, c'est mort. À moins que... Merde. Allez. Bon, le plus près... C'est pas bien de polluer. Ah, je pollue pas. Alors. J'ai hâte de faire ça. Ok, par contre, les lanternes, il veut pas. Les bâtons, il veut pas. C'est sûr. Les shields, il veut. La lanterne, il veut pas, on a dit. Hein. La lumière, wouh. Les shields, là j'en ai quand même beaucoup trop, ça sert à rien. Bah tiens, ma lanterne elle est morte. Alors. Il vient de se faire quand même un peu de moulin en fait. C'est très cool même. Attends, je suis con, je peux vendre des shields là. Deux. Heavy cable.
peut pas vendre ça, donc on met ça là. Worn, excellent, 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 voilà. On range un peu, on en profite. Voilà. Balancer toute la merde au sol, là. De toute façon, les gnomes, c'est pas comme s'ils vont en avoir besoin, vu qu'ils sont tous morts, en fait. Triste vie, hein, mais... fallait pas m'attaquer. C'est sûr. Et qu'il a attaqué, lui. Tac, tac. Tac. C'est bon, je risque pas rien. Comme ça, je peux vendre le casque. Sauf si... Non, c'est bon, c'est pas de la merde. J'aimerais un sort de soin quand même. Ça m'aiderait un petit peu dans ma tâche. Après, j'ai pas pris healer, donc la triste vie. Hein. Hop. J'ai un autre téléportation que je peux pas vendre. Tant pis. Hop. Voilà. Je pense qu'on peut se barrer d'ici. Hein. Honnêtement. Si, je vais quand même en mettre un dans mon inventaire. On sait jamais. Oh bah. Tranquille. On est d'accord, là j'y étais. J'ai faim, j'ai du poisson. Au secours. Alors. Bon. J'ai la flemme. Voilà. Ok, il y a encore une salle au milieu. C'est cool. Chapeau de sorcier, ça va être de la merde. Pas tellement. Tu sais pas quoi. Bon. Ah putain, c'est vrai qu'il y a les araignées de sortie là. Ouh, il y a deux PNJ. Venez. Merci les potes. Trespassing. Ouais, je pense que c'est la ville là. Ça peut pas être deux fois d'affilée le. L'étage des nains. Alors je prends tout, même des trucs qui me servent à rien et que je vais balancer juste après, c'est au cas où, je précise, pour level up un maximum mes compétences, comme on peut les voir sur le côté. Par exemple, en stealth, je suis très mauvais. Parce que, bah, en fait, je fonce dans le tas. Pas grave s'il se fait tuer, voilà, comme je disais. Bon, je prends du coup ces items. Pour bien sûr apprendre un peu plus. Je suis niveau 56 en apprentissage, donc ça c'est quand même sympa. Ça pour attaquer à distance c'est cool. La viande, bah la viande c'est la vie. La torche, je m'en bats les couilles, ça je m'en bats les couilles, ça je m'en bats les couilles. Je vais remplacer le mien. Hop. Dégage. J'ai un nouveau sort, c'est parfait, mais on s'en bat les couilles parce qu'il est pas intéressant. On va le mettre ça là comme ça, voilà. On dégage ça. Et ouais, on dégage le chapeau. Alors oui, c'est con, j'ai un de mes potes qui s'est fait buter, ça me fait moins de protection.
Mais dans les faits, je suis plus en sécurité sans eux parce qu'ils peuvent déclencher des pièges. Et me foutre sacrément dans la merde. Qui a ouvert la porte? Hop. Angulation, non. La pickaxe, même si elle est dégueulasse, on la garde. Ok. Y a rien ici. Bon. Giga stressant tout ça. J'ai failli lui balancer une boule de feu. Là par exemple, ce piège à la con. Ah, faut l'activer. Comme ça, tranquille après. Ça sent la goule quand même là. Pas de succube, ok. Ok, je suis un expert en apprentissage, yes! Oh, résistance magique à nous. Ok, l'anneau de warning me permet de voir qui est où, niveau ennemi. Il est con, je me mets pas devant. Alors je sais que t'as voulu me défendre. Mais te mets pas devant. C'est littéralement moi dans tous les jeux où il y a du TK, te mets pas devant. Quelle idée de se mettre devant quand il y a un mec qui tape. Honnêtement. Bon, la porte est fermée. Oh là là. Tout ça pour ça, putain. Yes, c'est le spawn. Oh putain, ça a sorti, ok. Où toi? Ah oui, donc t'étais bien dans une zone de merde en plus. Incroyable. J'ai faim. Ah, j'ai souvent faim quand même. La cape, on la dégage, on dégage. Ça par contre, je le garde du coup parce qu'il est quand même assez bon. Le bâton, on le remet là. Là, voilà. Non, en vrai, c'est une bonne run, là, pour l'instant. C'est une très, très bonne run. Alors, je me chie un peu dessus. Y a des trucs que je pourrais mieux faire, etc. Mais honnêtement, c'est pas dégueu. Là, par exemple, je devrais utiliser la lanterne. Voilà. PNJ Strat. Je suis chez les PNJ. Du coup, je peux recruter. Et si je recrute, j'augmente mon niveau de leader. Et du coup, si j'augmente mon niveau de leader, je peux avoir beaucoup plus de monde à mon service, donc c'est cool. On s'en met pas, on est d'accord. Et je casse chez eux comme ça sans aucun scrupule. L'humain ne répond pas, yes. Ils dorment bien. Alors, par contre, il y a des vendeurs. Il faut que j'évite de faire ce que je fais généralement quand il y a des vendeurs. Dans les zones où il y a plein de PNJ. Je vais éviter de faire ça. Parce que je vais faire un massacre, vous allez rien comprendre. Excuse me. Oh, des potions. Oh, il y a des potions. Je crois que je vais faire ça. Je vais visiter un maximum la zone. Il y a beaucoup de PNJ. Je vais en tuer beaucoup. Bien sûr, on peut nager. Et ça nous amène ici. Voilà. Ça active un levier.
Oui, là, je la joue bourrin, du coup. Non, c'est jamais, je me rappelle pas s'il y avait un... Il me retape. Tu prends une boule de feu dans la gueule, mon pote. Bah, y'a rien. Bon, gaspiller toutes les pickaxes là-dessus, j'avoue que c'est débile. Mais en vrai... Bon. Attention, vous êtes prêts. On va faire un massacre. Et d'un. Et de deux. Trois. Hey, bonjour. Tu veux rejoindre mon équipe? Hey, bonjour. Tu veux rejoindre mon équipe? Hey, bonjour. Toi, tu vends des trucs. Hey, bonjour. Tu veux rejoindre mon équipe? Ce meurtre de masse là. Dès qu'ils arrivent. Ça va être fun. Oh, tu brûles. Toi aussi. Oh, tu brûles toi aussi. J'avoue, il a looté son pote. C'est une épuration technique. Exact. On fait ça méthodiquement. Il avait de l'argent. Oh la vache. Ce massacre. Donc vous, vous prenez les armes. Par contre, rigole, mais... Attends. Est-ce que tu prends les pickaxes? Prends les pickaxes. Attends, en vrai, je devrais m'équiper d'abord. Je mine de rien. Bah, ils m'ont ramené des trucs sympathiques. Et oui. Si je peux utiliser des trucs, autant ne pas gaspiller. On se fait de l'argent comme on peut, écouter. Hein. Donc je peux pas lui vendre autre chose que des armes. Donc lui c'est des armes. Toi, c'est la bouffe. Ah, si tu me sors que l'autre qui cherche l'équipement, il a l'autre bout, là je vais hurler. Non, c'est bon. Alors, tiens, cadeau. Me fais de la moula. La sacrée moula. Non mais sérieux. On avait fait ça avec Alcaro. On s'est jamais fait autant d'argent de tout le jeu en fait. Oh merde. J'ai une tonne 600 sur moi là. Heureusement que ça me fait pas de dégâts. Oh la crossbow par contre. Ah ouais non, c'est de la merde. Hop, on vend ça. Ah, je peux pas prendre les bottes, fais chier. Là, les 6000 gold, ça va faire plaisir. Par contre, comment ça se fait que j'ai augmenté autant en intelligence? Attends, j'ai faim. J'ai bien mangé, là, comme ça m'embêtera pas pendant un moment. Les torches, on s'en bat les couilles. Voilà, voilà. On s'est fait un peu de gold. De bon gold. Et comme ça, je vais prendre des potions. C'est très très con. Mais c'est nécessaire. Par contre, les 26 intelligences, les bonus de 8 là, ils viennent d'où? Ah, c'est peut-être les plus 1. Bah oui, je suis con. Bah oui, connard. Hop. Toujours un peu plus, hein, tant qu'à faire. Ah, à table, bon appétit Daré.
Moi j'ai déjà mangé donc je suis assez tranquille. Donc lui il prend les potions de magie. Potion de lévitation, on va pas prendre pour des raisons évidentes de j'ai des flashbacks et j'ai pas envie d'en parler. C'est con, hein, mais la magie c'est ultra important pour un mage, c'est bizarre. Mais je vous jure que ce concept est cool. Bien sûr, j'achète tout ce qu'il faut en soin. Donc ça, c'est le soin. Ça, c'est la magie. Voilà! Et en vrai, je me mets de plus en plus bien là. Je vais bosser un peu. Plus, tout le monde. Plus, Yolsivas, merci d'être passé. Bosse bien. Ouais, j'ai toujours une pickaxe. J'aurais pas du tout utilisé. Je viens de réaliser qu'à un endroit, il me faudra beaucoup de choses. Ouais, je chope, c'est le sort d'ouverture. Il y a un truc de lévitation. Ouais, je chope pas mal de choses en vrai pour que ça soit intéressant. Mais voilà quoi, hein, c'est... J'ai joué le jeu. Direct par ça. Ouh, excellent cloak. Ouh, encore un magasin. Je sais pas ce que je pourrais vendre là, mais. Et one shot. Ok, maintenant je one shot les rats. Ok. Ouais, ça fait du dégât. Ouh, par contre, attends. Yes. Meilleur bot là. Bah tiens, je peux te les vendre. Et tu prends tout? Oh. Oh, la cape de réflexion magique. Un plaisir. Oh, attends. Par contre, parchemin de réparation. Voilà. T'es con. Magique missile. Voilà. Juste magique missile. Qui fait 42 de dégâts. Comparé à la fireball qui en fait 31. Mais je pense que dans les faits c'est augmenté avec mes stats. Non, j'ai bien vu 42. Donc je sais pas ce qui se passe mais. Ou attends. Voilà, comme ça on utilise bien tout ça. Oh, je vais tellement pouvoir vendre des choses. Je crois que je vais récupérer quasiment tout ce que j'ai perdu. On va le laisser explorer. On va le laisser analyser, pardon. Faut-il vendre des trucs en attendant? Le gold 325. J'ai vu un 325. C'est vénère. Toi du coup tu vends quoi? Toi tu vends des potions. En vrai j'en ai déjà assez. C'est con mais là ce serait gourmand d'en avoir plus. 815. Un plaisir. Non, j'ai pas vu s'il avait des bâtons. Parce que s'il a un bâton... Non, mais non, il a des spellbooks. Alors, c'est risqué de prendre des spellbooks. Merde. Putain, j'ai eu vraiment cru, là. C'est quoi, c'est risqué? Mais fuck it. Il m'a tellement ralasse que je vais pas faire genre. Okay. J'attends qu'il finisse d'apprendre pour la gemme. Je vais boire un peu. N'hésitez pas à boire. N'oubliez pas de boire, c'est très important de boire dans la vie. C'est un plaisir. J'ai une belle run là, une très très belle run. Ah, mon apprentissage est pas assez haut pour la gemme. Oh, la gemme elle doit tellement se vendre cher. Ouh. Attends. J'ai un perso. J'ai pas identifié. Attends.
Oh, les achats les plus rentables! Incroyable! Ah oui, il faut que je l'enlève de ma main. Et 2565. Play. Ah oui, je suis con. En fait, ils vendent les mêmes à chaque fois. C'est pas grave! Je veux dire, j'ai augmenté mon trading. Je suis en skilled maintenant. C'est con, hein, mais... C'est énorme, du coup. Je me suis mis trop bien, c'est incroyable. Par contre, ouais. On va décaler le tout de 1. Pour mettre la bouffe que je vais manger de suite. Ça, c'est déjà, ça m'allège un peu. C'est cool. Qu'il a pas... Oh, il y a une pickaxe. Ça, j'en ai deux. Contrôler les gobelins, non merci. Magique. Regarde s'il a rien, par exemple, d'intéressant. Non. Par contre, il a des amulettes. J'en prends une. Au pire, si elle est mauvaise, je la revends. Voilà. Du coup, ça veut dire que les autres amulettes, c'est ça? Mais je suis trop bien! Mais je suis trop trop bien. Je suis trop trop bien. Je suis mais juste trop bien. C'est incroyable. La run elle est parfaite. J'ai 9000 gold quoi. Merde, je suis con. Elle a volé mon plastron, la connasse. J'ai perdu mon plastron. Elle est morte dans un coin. Par contre, elle est morte pas loin. Genre pour peu. Oh, pour peu, elle s'est tapée là-dedans, par exemple. J'ai plus de plastron. Ah oui, ça, c'est con. Oh, ça, c'est con. Merci pour ce bout de live. Je vais manger des bécots. Des bécots à toi, Freddy. Bon appétit, merci d'être passé. Et merci pour le sub, hein, même si il date un peu maintenant. Ah, merci quand même. Bah le voilà. Fire. Résistance au poison, on s'en fout. Fire. En buvant de l'eau, t'apprends des choses, c'est incroyable. Le jeu qui a tout compris à la vie. Par contre, je suis de plus en plus lourd avec ces conneries. Faudra que je me débarrasse de pas mal de choses. Ça faudra que je vende. Je vais vendre ça maintenant. Tant qu'à faire, autant en profiter. Hein. Je suis plutôt bien. Alors, je suis même très bien. Autant que je vende dès que je peux vendre. De résistance au poison, j'en ai pas besoin. Ça, j'avais pas besoin. En vrai, la potion de speed, j'aurais pu utiliser. Mais ça fait du trading en plus. Chaque fois que je vends un truc, c'est automatique. Donc, ce que je vais faire, c'est que dès que je vais prendre des trucs, je vais les. Enfin, dès que j'ai la possibilité de récupérer des choses, je les vends de suite. Tellement bien. C'est vénère. Et ça, c'est le début. Cette run me stresse presque un peu. Elle est tellement bien que j'ai pas envie de la perdre, cette run. Yay. J'aurai des trucs à vendre.
passer par là-bas. Il y a l'air d'avoir trois mobs. Dû vendre des trucs avant là. Oh, que c'est un boss. Qui me donne une épée qui est quand même ultra pétée en plus. Oh non. Attends, je suis con. Plus besoin de ça maintenant. Voilà. Merde. L'épée là, elle est quand même cool, elle se vend très bien. 3489. Ouais. Ok. Je peux me permettre de laisser des trucs, hein. Je vais aller vendre ça. C'est incroyable. Je me retrouve avec plus de 10 000. Je suis... Attends. Quatrième étage. En vrai, ma run, elle est pétée là, actuellement. Sauf si je fais de la merde. Il peut arriver, bien sûr. On risque rien. C'est incroyable. Ma meilleure run. Vraiment, là, c'est la meilleure run. Bon, par contre, c'est peut-être la bouffe. Qui pourrait me poser problème. Mais en vrai... C'est faisable sans là. J'ai 17 000. C'est vénère. Je suis tellement riche. C'est quoi? On n'est jamais assez riche. J'ai vu les bouquins de sort là. Oh, j'ai une ouverture de... Ah putain. Un truc pour ouvrir les canettes. J'ai pas le terme. Où je vais vite tirer la main. Et il y a juste un troll. Donc j'ai foiré. Ok, j'ai ça. J'ai ça. Mais c'est parfait. Oh, j'ai le meilleur sort. Oh, c'est bon. Le opening est le meilleur sort de ce putain de jeu. Qui veut dire que maintenant je peux tout ouvrir. Il me manque juste de quoi l'éviter et je suis imbattable. Je vais tellement procurer beaucoup de choses. Là par exemple, je fais hop. Voilà. Exemple. J'ai mon vie. Tac. Bonjour. Du coup, je te vends les bouquins vu que j'en ai plus besoin. Je les ai appris donc c'est bon. Voilà. Cette run est incroyable. J'adore ce jeu. Vraiment, j'adore ce jeu. C'est vénère, c'est incroyable. Oui, c'est par là-bas. Il y a quand même un truc qui me perturbe. Ok. Ok, j'ai rien dit. J'ai rien dit. J'y suis déjà allé. Non. J'aurais tout pris. Là.
Même les boules d'or, j'allais dire, ça m'inquiète moyen. Parce que vu que j'ai assez de points de vie, normalement, ça devrait pas me one-shot. Mais! Ça va vite. Ouais, bon, je vais atteindre les 20 000 avant de quitter l'étage. C'est incroyable. C'est une des meilleures runs de ma vie. Suis maître en apprentissage. Une seconde pour apprendre un item qui coûte un gold. Tellement rapide là maintenant. Et 1500 de minimum. Donc en fait, par la suite, je pourrais ne plus utiliser du coup de le sort de mort là qui me permet justement de d'apprendre les choses sans trop m'embêter avec ça. Et c'est tellement cool. C'est trop cool. Bon, alors, mine de rien, je vais peut-être filer un truc que j'aurais besoin. Ah non, au final non, je crois que je vais voir son pote. Il me file juste des bottles. Ouais, c'est ça. Bah du coup, j'ai fini ici. Hein. Il y a juste en bas, je vais quand même aller regarder. Parce que dans le doute. La seule chose de problématique avec le lance-pierre, c'est qu'il tape pas si loin. C'est pour ça que j'aurais peut-être dû garder du coup le crossbow, mais c'est pas grave. Un peu plus vite. Et y a rien. Y avait rien. Bon bah let's go hein. Let's go, let's go. Peut-être run de l'infini. Je vais quand même prendre un ou deux cailloux. C'est quand même pratique. De ce que je sais, pour activer les pièges, par exemple, c'est bien. Ça évite de te les prendre en pleine face. Et hop! Première série de 5 de fini, du coup, pour les étages. Yes. Voilà. Oula, oula, attends. Le spellbook, il est plus intéressant. Même si ça peut me remplacer ma pickaxe de temps en temps. Évitation. Bon, il dort. On va faire. Coucou PNJ, j'aimerais un peu plus d'argent, s'il vous plaît. Oh, ils vendent des clés. Attends. Pas lui vendre ça. Pas lui vendre ça. Par contre, ils vendent une paire de lunettes. Parce qu'en vrai, les paires de lunettes, ça peut être vraiment pété. Lanterne, pickaxe, le pic. En fait, la paire de lunettes peut proposer de l'armure en plus. Mais là, non, du coup. Pas grave! Faut que je fasse gaffe absolument ici, par contre. Là vraiment il y a des pièges de partout. Je trompe de sort. Ou un magic staff. Attends. Du coup je peux ranger ça. De froid, ouh, le froid. Par contre, je suis masse ralenti du coup. Ah, dégage. La viande moisie, on dégage.
Ta cape. Dis-moi que c'était une bonne cape. Magique réflexion, allez hop. Emballer, c'est pesé. Il me fait zéro dégâts, mais faut pas déconner quoi. J'ai quasiment rien en bouffe hein, quand même. Ça par contre ça va être important. Par contre si je meurs vraiment de faim, je crois que c'est le truc qui va me rendre le plus fou. J'ai eu un flashback d'un truc. J'ai eu un flashback d'une connerie qui m'est arrivée avec justement un boulder de genre. Je suis très content de m'en être rappelé. Potion de speed, let's go. Potion feeling, bah c'est cool ça. Speed veut dire perds pas de temps. Ça c'est cool. Ou le PNJ qui dormait tout à l'heure, je croyais qu'il était mort. Ah oh. Donc, scroll toujours. Le sort de soin. Oh oui. Le plaisir. Sort de lévitation, il vient avec celui-là. Pour moi. Oh bordel, c'est bon, je suis quasiment pété, il me faut juste de la bouffe. Ouais, j'aurais pu le vendre combien? 275 quand même. Peur dans slime. Pas de soucis. Hall of Light. Oh. Alors je sais que c'est peut-être pas la meilleure idée du monde d'avoir un parchemin de lumière qui illumine tout ce qu'il y a autour de toi. Mais en vrai, sympathique. Aïe. Ok, faut l'activer avec un levier, ça, normalement. T'es con aussi. Incroyable. Bon, c'est un peu de ma faute, hein, mais il est con quand même. 86 en habilité d'apprentissage, c'est cool. Bon, tant pis. Hein. Il me faut absolument. Qu'est-ce qu'il me fait mon Xiaomi là? Il me faut absolument de la vie. De la bouffe. On regarde partout au cas où. On regarde un peu à droite. Et si j'en ai pas dès que je trouve un vendeur, je vais me faire plaisir à lui acheter tout ce qu'il a. Ouh. Des... Oh. Ouh. Ho 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 ho. Ah, oh, je suis tellement bien là. J'ai gagné en régénération de vie en plus parce que les bracelets de constitution justement ça augmente la régène. Ah non, elle est moisie. Elle est moisie, elle fait moins 1 en stade donc... Pas le bouger là-bas. Oh, c'est de la merde. Bien sûr, vu que je nage, ça augmente un petit peu les stats.
Ça, c'est pratique. Par contre, c'est pratique, mais... Quoi ce... La magie, hein, écoute. J'aurais pu le voir. Je l'ai pas vu. La régène de mana, c'est comment? L'intelligence. Elle est à 1 toutes les 3 secondes quand même. Hein. Ok, amulette de strangulation, non. À notre protection. Ça peut être cool. Bah, ouais, bah le shield on le dégage, hein, du coup il sert à rien. Alors c'était un mini boss. Oh, c'est un... Et je l'ai déjà vu le vendeur ou pas? Je m'en souviens plus là déjà. Il vend quoi déjà lui? Ah oui, des trucs de merde. Bon, au moins, il va avoir des trucs. C'est intéressant. Allez, let's go. Étage suivant, étage 7. On augmente l'apprentissage d'une... de la bresse, du dos crawlé. On profite un peu. C'est vraiment... C'est pratique, hein. On augmente de level comme ça, on se met bien. En gagnant du level, on gagne en force, en comment ? En constitution et en attaque, je crois. Ou en charisme, je sais plus. On est au niveau 21, on est au niveau 6 de donjon, yes. Ah, c'est peut-être en poids, je peux peut-être en porter beaucoup plus. Allez. Bien sûr, il faut bouger pour nager. Et gagner du coup en skill. La skill. Allez, let's go. Ça a commencé à être de plus en plus compliqué ici, hein. Pratique, c'est quand on est dans l'eau, on risque rien. Il y a un vendeur. Dis-moi, il vend de la bouffe. Oh non, il est spécialisé dans la magie. Qui est pas dégueulasse, mais... Mais ça reste quand même compliqué dans mon cas. Je peux vraiment mourir de faim en fait. Par contre l'arc, plus 4, c'est la merde. Hall of Light. Ouh, c'est parfait. Bon timing. You're still angry. Attends. Les jus de fruits, ça nourrit. Mais oui, je suis con. Mais je suis incroyablement con, c'est logique. C'était juste une potion de soin, moi. Oh le con. Oh, ça dégage. Charging. Oh. Oh. Oh, j'ai un digging. Non, c'est un opening. C'était l'opening. La potion. C'est une potion d'acide. Je vais la tenir, je vais pas la boire. Ouais, on va essayer de pas être trop con. Je suis pas habitué, mais... You feel weak. Fuck.
pas de bouffe par terre, sérieux. Lunettes plus 1, on en profite. Merde. Je serais tellement mort là. Tellement je suis lent. Dégage ça. On dégage, ça on dégage. Ouh là. Non. Dégage, on dégage. Y'a un rat? La sortie. Oh! Tant pis. Ah putain, bien sûr, c'était de la merde. Ah, j'ai voulu tenter. Quand t'as faim, tu manges tout, même si c'est la pire idée du monde. J'ai tellement crevé. Si je crève de ça, je crois que je pète un câble. La run la plus random que j'aurais eu. Ah vous, j'ai de... Con ça, hein. Pas nager, toi. Oh non, ça y est. Je commence à prendre des dégâts parce que j'ai faim. Allez, le pain, s'il te plaît. Oui! M'en fous! Flex. Bon, le pain il m'a fait moins 1. C'est pas dans quoi. Mais c'est pas grave. C'est intéressant au cas où. Que c'est ça. Ah, oh, ouh. C'est bon, je me rappelle ce que c'est ça. La moula. C'est trop d'argent. Alors, le truc c'est que je dois pas la jouer trop vénère ici. Alors je peux faire ça. Putain, j'ai de nouveau faim, bien sûr. Merde, ça c'est con. Et aussi me lâche de la bouffe. Et il m'a fait peur avec sa flèche, lui. Non, pas de bouffe. Ah, si par contre là il y a de la bouffe. Même si là j'ai. C'est pas grave. Il faut que je mange. Bouteille vide, on les dégage. Voilà. Parfait. C'est parfait. Là j'ai beaucoup mangé. Alors ça, j'étais peut-être pas obligé de l'utiliser, je crois. Voilà. Là, faut que je fasse gaffe. Je fasse absolument gaffe.
peut y aller en fait comme ça en vrai. Dégage. En vrai c'est con. Mais non, je vais l'utiliser en... En leurre. Allez, vas-y, fuis. Tu fuis? Voilà, comme ça, cette salle, elle a un peu désamorcé. Je suis con. Pourquoi j'ai ça, moi? Pourquoi j'ai Force Bolt? Là, qui fait moitié moins de dégâts. Oh, le slow digestion. Bon, on va l'utiliser pour l'instant. Comme ça, je suis tranquille, en fait. Ouh, les deux bâtons, là. Tape au pied, au point, au pied, oui, bien sûr. Pas besoin. C'est con, mais on réorganise un peu. C'est toujours bien. J'ai vraiment eu peur. Rush, rush. Oh, il y a de la bouffe. Et il y a des cailloux. Et il y a rien. C'est con, mais là, la bouffe. Pour Lolo. Par contre, ça me sert à rien, du coup. Les cailloux. En vrai... Brup. Effectivement, d'arrêt, brup à toi. J'espère que tu as bien mangé. Et avant que tu poses des questions, on est toujours sur la même run. Je ne suis pas mort. Faudra que je change mon arme de corps à corps. Ma magie commence à faire plus de dégâts que le reste. En vrai, l'orbe mystique verte, là, je sais pas à quoi elle sert. Oh. Oh non, j'ai un sédatif. C'est bon, le poison, il s'est barré. J'ai fini? J'ai fini ici. Seulement d'un côté. Eh oui! Parce que je peux me faire encore plus de moula. Déjà pas mal en vrai niveau moula, mais... toujours un peu plus. Un peu plus. Plus plus. Donc pour ça... Ça. Voilà. Merci Pickaxe, hein, bien sûr. Là, je me mets trop bien. Là, je me mets plus trop bien. J'étais à une case de d'être tranquille et de faire tout le chemin. Mais bon, la tristesse, on fait avec. Ça y est, j'ai un petit épi là. Je viens de le voir. Il est là depuis le début du stream en plus, je parie. Ok, du coup. Heureusement, j'ai sort. Putain, on peut vraiment se faire soft block en fait, je viens de réaliser. Oh bah, ça a été fructueux, j'ai récupéré de la bouffe en plus, donc c'est parfait. Par contre, le bâton, là, le corps à corps, faudra que je le dégage, parce qu'il fait... Enfin, il fait pas assez de dégâts. C'est peut-être parce que bah, je fais trop de dégâts, genre en casting, là, je suis à 100. Merci, j'ai de suite. Que des gemmes. Obsidienne, ouh, magique réflexion en amulette, toujours un peu plus, hein. Non, mais genre 1, 2, 3, 4, tout bien.
Il identifie les gemmes au cas où s'il y a un vendeur sur ce truc. Et s'il y a un vendeur, j'en profite. S'il n'y en a pas, hasta la vista. Moldy meats. Mais je dégage ça. Je vais garder ce qui va vraiment me rapporter. Hein. Parce que si je prends un truc qui me rapporte que dalle, c'est pas intéressant. Alors lui par exemple. J'ai même plus besoin en fait, je suis con. J'ai récupéré Dominate. Qui utilise beaucoup trop de points de vie pour moi. Et ah oui, maintenant je peux utiliser ce sort qui coûte que dalle. Donc en fait je peux faire ça. Voilà. Force Bolt coûte que dalle. Donc je peux en profiter un max. Et Magic Missile je peux utiliser un peu au pif. Donc ça, ça à vendre. Ça, ça dégage. Faut que je vende des trucs. Faut que je continue d'apprendre. Mais je suis trop bien. Genre vraiment. Genre là actuellement. Sauf si je fais ça. Je suis passé volontairement devant les boules d'or, je précise. Histoire d'augmenter un peu le danger. Ah oui, bah oui. Oui. Bien risqué. Mais c'était volontaire. Ah ouh. Ça l'est un peu moins. Light, on s'en bat les couilles. Olympic Swimming, on s'en bat un peu les couilles. Excellent. Ok, ça remplace les miennes. Non, je vais pas faire ça. Parce qu'en vrai... Ouh, la hache. Bat les couilles. Le battage d'or là actuellement. Continuer d'apprendre parce que c'est intéressant d'apprendre et ça augmente les stats. Je suis à un niveau d'apprendre tout instantanément. Il n'y a pas une histoire comme quoi je leur fais, je gagne un peu plus d'XP. Merde. Il avait un bâton lui aussi. Digging. Ouh. Je vais pouvoir creuser dans le fond du sujet. Wink wink. Oula. Double officiel des araignées, qu'est-ce que tu vas faire? Assez rapide. Trouve le levier. Il était juste là, lui. Magic mapping. Parfait. Ils sont pas les couilles, lui. Il m'a cramé, il m'a cramé, il m'a cramé, il m'a cramé. Non, ça va. J'ai cru qu'il avait cramé ma cape. Mais ça a été. Bon, vu que je peux me soigner, on va en profiter. Je me suis un peu trop soigné peut-être. Ah ouais. Donc là il y a la sortie.
Quasiment à 100 en apprentissage, donc il faut que j'en profite. Ok. Je devrais peut-être garder ça. Je sais pas ce qu'il y a au bout du couloir de mort là. Que pour peu qu'il y ait des boules d'or, je viens de niquer ma seule chance de m'en sortir. J'avais oublié lui. Ah, cet endroit va être... Je suis bloqué. Cet endroit, il va être compliqué. Là, je suis obligé de faire ça. J'ai plus de bouffe, mais j'ai été obligé de faire ça. On va voir si la craquette gem, elle fait quelque chose. En vrai, il y a la sortie là. Donc elle est juste là. Je pourrais utiliser mon sort de lévitation au pire. Et je pourrais me balader là s'il faut. Pas le coup. Pas le coup. Il vaut pas le coup. Et je le garde de côté, on sait jamais. En tout cas, pour cet étage, je vais le garder. Bon! Pourquoi ici ça pue du cul? C'est intéressant dans quelques instants. Pour l'instant, il n'y a rien qui spawn. À part les tombes! Merde, ah oui, c'est une façon d'ouvrir. Polymorphe, yes! Alors, ça serait bien, mais non. Ok, c'était la même pièce, yes. Ça sert à rien, à part nager. Reste de salle encore. Et après, ça va être... Voilà. Par contre, là du coup, j'ai des bottes. Les meilleures bottes, normalement. J'ai plus de bottes. J'aurais pas balancé mes bottes comme un abruti. Moi je crois que si. Du coup j'ai une meilleure constitution, j'ai un peu plus d'intelligence, tout ça. Mais je suis débile. Une masse en bronze. Oh, c'est dommage. J'aimerais bien savoir ce qu'il y a derrière. J'ai pas le sort hein, pour diguer. Ouais. Du coup bah... Je reste calme. Vous avez vu, il y a du monde. Hein. Fuck. Quand même du dégât. Oh la vache. Oh sa mère. Oh ça va être le bordel. Oh le spam là.
La viande elle est moisie. J'ai tenté dans le doute, hein. Ouais, il y a du, il y a trop de monde, il y a trop de monde. Pas ce que je vais faire. Attends, taper avec mes poings, ça fait plus de dégâts. Allez, lumière. Il y en a certains par contre solide, hein. Deux secondes. Heureusement que j'ai un sort illimité là. Aïe. 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 Et il fait quand même sacrément mal celui-là. Je saigne en plus. Ok. Ok, il me reste plus que ça en potion de restauration magique. Pas l'utiliser. Très con. Par contre, la note téléportation. Je vais commencer à refoncer un peu dans le tas. Bouteille d'eau. Ok, on la boit juste pour l'utiliser. Les grenats là qui sont. Enfin, les garnets. Ils sont du coup à 700 or unité. Truc bien vénère. Il s'approche trop vite quand même. C'est terrifiant. Ouais, je pourrais y aller au cac, hein. J'augmenterai un peu plus mes stats comme ça, mais. Déjà là. Allez, on fait le tour. On va voir s'il y en a d'autres. Magic Staff Fatiguing. Ah merde, putain, j'y ai vraiment cru que c'était pas le mien. Et bouffe. J'ai complètement oublié ce niveau quand même. Il est sacrément vénère. Mais ça va, j'étais bien préparé. Genre beaucoup trop, je trouve. Et ça suffit largement. Bon. Du coup. J'ai réussi à y aller. C'est juste de la luck là pour l'ATP. Allez. On y croit. Voilà pourquoi. Bien sûr, j'ai pas assez d'argent.
J'ai tellement pas d'argent. Voilà, c'est l'eau de digestion là. Voilà, j'avais demandé si ça pouvait me ramener plus près du cristal. Du cristal, pardon. Pour être tranquille. Pardon. Merci pour ta cape. De réflexion magique. L'amulette aussi. Putain. Ça a commencé à être gourmand cette histoire quand même. J'ai plus de place là. C'est un peu vénère. Y'aurait pas un vendeur dans les coins. Extra healing. Oh la vache. Oh, il y a du pain. Oh, par contre, ça c'est important. Une téléportation, on s'en bat les couilles maintenant. Quoi? Bon, je l'avais aussi. Bon. Allez, on spamme la magie. Dropper une potion. Enfin, une bouteille d'eau. Donc, on boit de suite. Pour monter l'alchimie. Ouh, par contre. Ça mène à rien. Pas d'ornement. Ah, mine de rien, on est déjà quasiment à 2 heures de run. Yes, un plaisir. J'ai 1h53 de stream actuellement. C'est pas mal. Olympic swimming. En vrai, Olympic swimming. Ouais, voilà, en légendaire, ça... Ouais, on dégage. On dégage sans problème. Ah, mais non, Olympic Swimming, ça veut dire que je nage plus vite. Ah, ok, j'ai confondu lévitation et Olympic Swimming. My bad. Il n'y a pas de vendeur. Ah, peut-être que si, tout en haut là. Galère. Peut-être. Non. Une zone de merde. L'anneau de force. Il sort de nulle part. Ouais, que je pourrais les changer. Voilà. L'anneau de slow digestion, pour l'instant, c'est pas... Ouh, bonjour. Pas que c'est pas utile, mais un peu. L'anneau de protection plus de... Ça devient gourmand, cette histoire, quand même. Non, mais sérieux. Obligé de faire ça, même si c'est pour de la merde. Un bâton de dodo. Magic staff. Locking, yes, ça ne sert plus à rien. Par contre, là j'y étais. Ouais, j'y étais. Là c'est le spawn, j'imagine. Là c'est le spawn, j'imagine. Voilà, la sortie est pas là. Je devrais peut-être run sur la sortie là. Ça sert plus à rien de rester trop longtemps. Sauf pour choper peut-être un bâton ou un truc du genre qui pourrait être intéressant.
Là, je suis au niveau 10, donc juste après, là, je vais tomber sur la salle spécifique. Une transition. La merde. La merde. Oh, bah, on bouge, hein. Ça sert à rien que je reste trop longtemps. Et oui, Daray, je vois ton message. Enfin, j'ai vu ton message en avant, mais j'ai pas commenté. Mais effectivement, burn. Voilà. Ça commence à être long. Attends, on va déjà analyser ça. 4000! Ah, en fait, ça se dégage. J'ai pris quoi? Ça, ça vaut rien. 1000, ok. Ok, donc déjà, ça, ça. Oh putain, j'allais garder un truc qui me servait à rien. L'amulette de Magic Réflexion. Mais j'en ai plein déjà. Est-ce que je devrais pas... J'ai même les capes. C'est ultra gourmand, en vrai. Là, ce qu'il me faut, c'est un truc de lévitation. C'est le plus important. Une potion, c'est quoi la green potion? Restauration magique, je l'ai utilisé comme abruti. Non, c'est bon. Acide, ok. Ni de vendeur. Un vendeur absolument. Et genre un truc de lévitation aussi. Commence à faire zéro dégâts par contre sur les scarabs. Et je crois que c'est normal que j'ai fait zéro dégâts. Bah, vu ce qu'il m'a donné. Ouais. Spellbook of Looking. Non merci. Bottle of Booze. Oh la vache, j'ai que de la merde. Iron Dagger. Au secours! Ok, il y a la sortie ici. Continue de fouiller un peu. Ouais, j'aurais dû m'en douter. Non. Non plus. La cape, c'est celle que j'ai récupérée tout à l'heure. Il y a beaucoup de mobs là-bas, je les entends. La cloak, c'est de la merde. Mmh. Ok. 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 Un scarab à la con. Ah. Magic staff opening. Oh, c'est cool. Cool. Il me fait zéro dégâts, mais quand même. Alors, où tu fuis? Pas drôle de se faire casser la gueule, hein. Alors. Ok, là par contre, c'est un scorpion. Je rigole un peu, moi. J'ai que le chemin là pour aller là-bas. Les pires chemins d'ailleurs.
du bâton, j'ai pas besoin de ça. Anneau de protection, est-ce que c'est intéressant? Je dirais que oui. Ouh, attends, il y a du monde là. Je viens d'ouvrir par hasard à tous les prisonniers. Mais j'ai une pickaxe maintenant. Donc ça c'est cool. Ah oui, c'est vrai que ça ramasse. Attends, ça fait combien de dégâts? 12. Pas dégueu. Oui, j'ai nagé dans la lave, y a pas de souci. Et je l'ai fait quasiment volontairement en plus. Oh la vache, il y a encore des gemmes. Cent cinquante. Oh, c'est quoi ça? Attends. Olympic Swimming. Un truc de tout à l'heure. Bon. J'aimerais bien trouver un vendeur avant de finir ce stream quand même, ce serait bien. Ah ouais. Tiens. Bon, tranquille, ça se la joue. Oh, Magic Mapping, attends. Oh, j'ai mangé du pain moisi, quoi, j'ai de la chance. Un autre conflit, non merci. Le Book of Light, non merci. Ok. Cave Beast, merci. Ah, il y a une sortie là. Une sortie spécifique. Oh merde. Ok. Ok. Et du vide. Ah! Attends. Je viens de casser un truc. Et je... Ok, c'est bien ce que je pensais. Il met tellement de dégâts en plus. Attends. Hold on a minute. J'ai plus de shield. J'ai plus d'armes, pardon, pas plus de shield.
C'est un sacré bordel mon inventaire là quand même. Ah! Là j'utilise pas donc je jette. Quasiment sûr que j'ai pété en fait le truc intéressant en le poussant. Ouais, je suis quasiment sûr. On va me jeter une dernière fois quelque part. On le doute en vrai. C'est con. Hein. S'il y a du vide comme ça. Ah ça c'est con. C'est de la merde! Ah c'est de la chiasse. Et je suis quasiment sûr qu'il y a un truc avec ça. Ou dans le doute. Faire comme ça. Ça me paraît bizarre. En vrai, ce jeu m'a habitué à pire. Je suis con. J'aime pas te casser le truc. J'essaie de faire. Si. Si, si. Je viens complètement de casser le truc. Alors déjà ça. Avant que. Bon. Quasiment sûr qu'il y avait un truc à faire, mais j'ai pas compris. Et j'ai faim, c'est sûr. Bon, par contre, voilà. Faut vraiment un sort de lévitation là. Bon, en fait, je suis con, j'avais un sort de lévitation. Alors. Quand je disais ça, c'est pas forcément pour ça. Oh non, le livre. Je vais pas me plaindre. Par contre, si je pouvais trouver un vendeur. Ah, oh, ce serait le pied. J'ai trop de trucs à vendre. Des trucs trop bien en plus. Un autre constitution, ok.
Of mile. Potion de paralysie. On s'en fout. Allez. Je veux trouver au moins un truc cool. Très bien. Même très très bien. Genre vraiment le vendeur là, ce serait un truc parfait là. Potion d'acidité. Potion d'acide en fait, pas d'acidité, pardon. Qu'est-ce que je dis? Potion contenant de l'acide. Active-toi. C'est un vendeur, c'est un vendeur, c'est un vendeur. Bon, par contre, j'espère qu'il achète tout. Oh! C'est la moula. 40 000 quasiment. Par contre, je commence à avoir trop la dalle. Attends, lève-la mes bottes. Pourquoi je les mets pas? Pourquoi j'ai plus de vêtements? Qu'est-ce que j'y fais? C'est pour ça que je prenais beaucoup de dégâts. Mais je suis à la brutie. J'ai oublié de vendre ça. Par contre, il achète des anneaux. Enfin, il récupère des anneaux, tout ça. Ah ouais, par contre, ça va être important de chercher à bouffer. Merde. Vive le naturisme. Ah, mais complètement. Sauf que là, ça m'a pas aidé. J'ai fait quoi de la non-cons... Ok. Quoi bouffer? Vraiment, je crois bouffer. Et quoi, je suis désolé. Hein. Là, t'avais pas à bouffer sur toi. Hey, yes, c'était bon, je vomis. De toute façon, actuellement. Bonjour, Aro. Training, on s'en bat les couilles. Olympic Swimming, on s'en bat les couilles. En tout cas, dans l'instant T, on s'en bat la rein. La rein, oui. On s'en bat le larynx. Pas de soucis. Bon, mine de rien, le fait d'avoir mangé quand même la tarte à la crème moisie, il y avait un avantage. C'est que, bah en fait, j'ai arrêté de me faire du dégât. Sauf que là, je suis en train de me refaire. Un endroit où j'ai pas été. Oh, j'ai esquivé, parfait. Pas par là. C'est pas grave, j'ai pas été ici, donc c'est au pire, si je crois un truc bien, c'est cool. Allez. Non, je vais vivre avec mon somme. De mourir riche. Mais affamé, quel comble. Merde. Je me soigne. Voilà. C'est pour ça. Secours. Là, c'est le stress. J'ai pas envie de perdre 2 heures de run pour rien, là. La nourriture sur ce jeu, ça a vraiment été mon problème. Comme dans la vraie vie. J'ai besoin de tout le temps manger, c'est incroyable. Ah, on est en train de prendre de jolis dégâts là. Amulette, anneau. Life Sing, ouh. Celle-là par contre elle va être obligatoire à mettre.
Ça peut être un sacré problème là à la fin. Par là. 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 Là, on descend. Et ici, ça mène à de la merde. Bon, faut que je sorte d'ici, du coup. J'ai peut-être un anneau à vendre, mais... le Moldy Cream Pie, là, je suis pas sûr. Hein. Tant pis. Pas par là. Et maintenant. Attends, comment ça j'entends un grognement lointain d'un minotaure? Comment ça? J'ai pas envie de mourir, moi. Regarde, c'est un humain. Ah, désolé, réflexe. J'ai resté à sa famille, réflexe. Il y a vraiment personne qui a de la bouffe. Dans quel monde on vit? Alors je peux pas manger le scarabée là. J'ai pas d'arme à charger. Yes. Le book of feeling, yes. Je l'ai déjà. Pourquoi je perds de la mana, moi? Ah, ok. J'utilisais mon sort de magie, ok. Ouah, je deviens parano, là, c'est incroyable. Ça, c'était con. Je sais pas ce que j'ai bu. Et c'est pas ce que je voulais. Call of Light. Go. Call of Light, let's go. On allume un peu plus autour. Non. Plus de mal avec mon arme qu'avec ma magie, alors que je suis magicien. Ah, c'est tragique. Je stresse très fort actuellement. J'ai de l'or, mais j'ai pas de la bouffe. Là, l'économie, pour moi, c'est la misère. Il me fera peut-être de la bouffe. Non, même pas. Ah, la sortie, elle est là. Aïe, aïe, aïe. C'est la giga chasse. J'ai même pas trop la sortie en plus. Yes, anneau de slow digestion. Pas sûr que là ça fonctionne. Encore un autre, mais à eux. Je perds de plus en plus de points de vie ou je rêve? Non, je perds par 4 de ce que je vois. Par 4 points, 3 à 4 points. Cours. Je
Je veux pas mourir de faim alors que j'ai plein d'argent. Ouais, pour une fois que je suis pété de thunes sur ce jeu, ça me ferait chier de crever comme ça. C'est stressant. Surtout que là j'ai perdu moins 1, je crois que c'est parce que je suis affamé. Mais par contre plus je suis affamé, plus je perds des stats je crois. Donc faut que je couille mon fion. Au moins pour trouver la sortie. Ah voilà. Bon, j'ai pas un truc pour dig. Non, j'ai rien pour dig. Triste. Non. Oh, au-dessus de la lave, bonjour. Bon, en vrai, je me casse. Hein. Je me casse. Je pense que j'ai pas le choix. Son gold, ok, bah les couilles. Je crois que c'est les 20 minutes les plus stressantes de ma vie actuellement. Pas comme si je trouvais de quoi manger en plus là, c'est vraiment que dalle. C'est très horrible du coup. Très très horrible. Allez, allez. Comme téléportation, merci pour ça. Les œufs humains. T'avais pas de bouffe. Désolé toi. Je trouve rien. Merci Elkero. Bah déjà quoi? Ok. Ça passe extrêmement vite effectivement les mois ici. C'est stressant. Tu m'as fait peur d'ailleurs. Coucou à toi, coucou toi. J'espère que tu vas bien et merci du coup pour le 18e mois. Effectivement. J'ai besoin de manger. Je vis ma pire vie actuellement. Je suis en train de cramer. Merde. Mais non. On se rhabille. Ben moi tous les 3 jours ça va faire en faire des réserves. Je suis d'accord. Moi j'adore l'argent donc je suis très content. Preuve en est que j'adore l'argent.
Mais ce que j'adore, c'est aussi la nourriture là et tout ça. Mais je commence vraiment à galérer là. Je me fais bien, bien éclater au passage. Bon, on quitte ici. Bon, j'ai pas 36 000 choix. Hein. Attention, lévitation. Non, merci. J'avoue, c'est en train de me taper de plus en plus, en plus. Fuck. Oh la vache. Ça tape de plus en plus fréquemment. C'est la tristesse. On va plus faire un sneaky crit. Là, je t'avoue que je suis en panique depuis tout à l'heure parce que je vais pas tarder à craver, comme tu peux le voir. Je suis en très très mauvaise posture. Alors que je suis ultra riche et ça m'énerve. Oh non, me dis pas que c'est... Pourquoi il y a des gobelins maintenant ici? Pourquoi il y a des... Oh, des tech food! Ah. Je me suis juste trompé. Yes. La moisition. M'a pas vu. M'a pas vu. Oh toi, viens. Voilà. Ce sera déjà ça. Y'a rien ici. Yes, c'était pour ouvrir à côté. Oh, le vendeur. Oups. Voilà, merci le vendeur, t'as mis 10 ans. Mais c'est déjà bien. Bon. Et bon, tu me vends pas de la potion. Sans, je suis obligé de vendre des trucs qui me servent à rien là. J'ai tellement de trucs magique réflexion là, ça me rend fou. Obligé de vendre, il me faut de la place là actuellement. Et je viens de vendre mon seul anneau slow digestion. Je suis un abruti. On va le reprendre. De toute façon, j'ai assez d'argent. Je commence à être fatigué, je crois. Oh, ça sert à rien. Ouais. Oh putain, mais bien sûr. Téléfrag, yes. On a un. La sienne, c'est de la merde. Oh yes, je suis bourré. Oh non.
Bah, je suis bourré devant le meilleur ennemi, quoi. Ah oui, 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 oui. Y a un truc spécifique ici, hein. Ouais, ouais, ouais. Allez, 2 heures de run, je les sens bien dans la gueule. Alors, je suis... Oh! C'est bon! M'inquiète moyen là. Parce que... Voilà. Des PNJ de partout. Sunblood. Sunblood, c'est pas un truc genre ultra pété en plus? Oui, si. Ça paralyse. Yes. C'est pas pété, c'est de la merde. Oh. Ouais. Du coup, oui, tant qu'à faire. On va m'identifier. Je suis un con. Oh la vache, les sorts que j'ai récup. Alors, juste avant. Y'a rien. Alors, on va trier le tout quand même, parce que ça devient sacrément le bordel ici. Là où on va le mettre avec Sleep, Lightning. Ah, je vais mettre comme ça, de toute façon c'est élément. Lévitation, on va le mettre avec ça. Ça c'est un état, donc on le met avec ça. On le met avec ça, et ça. Hop, ça, c'est tranquille. Qu'est-ce que j'ai enlevé? J'ai enlevé le soin, je parie. Va falloir enlever par tranche de 10 en fait. Que de mettre 40 d'un coup et me vider beaucoup plus de mana. Genre je suis tout seul donc c'est compliqué si jamais je me retrouve dans la merde. Magique réflexion encore. Je l'ai déjà. J'ai pas besoin. C'est là où? Bah les couilles. Food. Ah, visibilité, je l'ai déjà. Ça gratouille, ça gratouille, ça gratouille. Et ça me gratte un peu trop d'ailleurs, c'est chiant. Bah les couilles du chapeau. On mange. Parce que ça fait un petit moment quand même que je cherche à manger. Stoneblood en vrai, hein. Si c'est pour juste immobiliser, on s'en bat un peu les couilles. Je commence à avoir beaucoup trop. Là par contre, je me demande si le saut digestion, je devrais le garder. Je me retrouve quand même avec pas mal de bouffe. Encore un PNJ. Il y en a deux. Meurs, hérétique. Voilà, un peu de stealth, genre de level up.
Magical stuff, slow, bas les couilles. Poison, bas les couilles. Spellbook. Je dig. Detect food, je l'ai. Slow, je l'ai. Très très bonne run. Et deuxième orbe. D'ailleurs, j'aurais pu avoir une... Techniquement, les orbes, je les oublie. Je crois que j'en ai foiré une. Genre, je l'ai détruite, malgré moi. C'était con. Mais ça m'est arrivé. Du coup, je me sens très con. Ou attends. On prend le décrépit automatiquement. Hein. Voilà. Bon, bon, bon. Confusion, ouais. Bah les couilles. Des flèches, ouais, bah les couilles. Bah voilà. Pareil pour la prochaine salle, mais je pense qu'on va s'arrêter là-dessus parce que... 2h30. Je les sens bien dans la gueule, là. Juste checker ce qu'il y a. Oh, un automaton. Je regarde un peu en fait. On va peut-être faire cette salle. Et après y aller, ce serait bien. Et Harry Potter, mais c'est parfait. J'ai rien à lui vendre. Et s'il vend... Et s'il achète de tout, je vais péter un... Câble. Remove curse. Ah. Le remove curse pour la bouffe, ça peut me sauver la vie quand même. Ouh, il y a du monde là-dedans. Non mais attends. Oui, bah tu t'es mis devant. Trou de balle. Bon, laisse faire, hein. T'as tué mon slime. T'as tué mon slime. Par contre, pourquoi j'ai ça en premier? Bien sûr, les pickaxes. On prend ça. On prend tout. Ok. Green. Ça fait de l'argent, ça. Contrairement à ça. Mon pote, ça. Ouais, c'est mon pote. Détecte tes flûtes. Putain, tu tombes sur un seul, t'en trouves des milliers après. J'avais besoin de ça tout à l'heure, pas là. On va activer quoi, ça? Y'a quoi ici? Attends. Ok. J'ai pas votre temps, moi. Mais faut que j'arrête de lancer ça, hein. Ouh. Quoi? Mais... Oh, tant pis, hein. Alors, est-ce que je peux lui vendre des trucs? Ouais, je peux lui vendre que des bouquins. Ah, oh, c'est de la merde. Tant pis, hein. La clé, je peux lui vendre? Je lui vends pas la clé, tant pis, c'est pas grave. Ça dégage. La citrine, ça dégage aussi. Par contre, je peux lui vendre les parchemins, là. Ah, les parchemins, les bouquins. Oula. Peut-être s'arrêter après, effectivement. Les verres rudes.
qu'il y a qui sont la garde. C'est sûr. Parce que j'aime bien faire ça. Ça sert à rien, ça la gâche la pickaxe au passage, mais... Vas-y, Prince, c'est dégagé aussi. J'ai bien dit la citrine, hein. J'ai bien fait attention. Et j'ai dit la Cyprime, je m'excuse, c'était pas voulu. Bah tiens, c'est la police de l'humour, là. Non, c'est moi, Emda. Ah putain, il me fait peur. Yes, aïe. Moi, yes, aïe. Bah, je vais aller vendre ça. Aïe. C'est con. C'était très con et ça fait beaucoup de dégâts. Ok. Et je fais vraiment le tour parce que je suis débile en fait. Ah putain, c'était pour ouvrir ça. Débile. Et je gâche ma cape. Non mais c'est pas vrai. Coucou. Coucou. Il y a un truc dedans, on est d'accord. Des gemmes. Des gemmes de mort. C'est de la merde, c'est de la merde. Oh. 4, le mien il fait combien à 4? Sauf que... Ah, résistance magique. Alors c'est con, mais déjà mieux. Ça en dégage, ça en dégage. Bon, c'est quoi? Bizarrement, je sens que vous avez pas forcément une durée de vie assez incroyable, vous deux. Du coup, j'imagine que le deuxième il s'est fait éclataxe aussi. Si c'est pas le cas, bah tant pis, hein. Hilo potion, ok. Potion de paralysie et potion de bouse. Oh. Alors, je suis où, là? Je m'arrête. Vaut mieux, vaut mieux. Allez. Ouh. Mine de rien, la run, elle a duré quand même 2h... combien? 2h combien? 2h33. Ce qui est plutôt assez cool. Ça, c'est la petite pause pour YouTube, voilà.